Voilà, de retour sur ce plateau après ce clip de Fally Ipupa, le tout dernier, qui enregistre beaucoup de succès à travers le pays, mais même à l'international, la diaspora. Le clip est original parce qu'il s'agit d'un challenge. C'est les fans qui ont fait le clip vidéo en quelque sorte. Il y avait un jeu concours, ils ont envoyé les vidéos avec des hashtags bloqués, Fally Ipupa. Et les meilleures vidéos ont été sélectionnées. Vous voyez vous-même, il y a des mamans, il y a des enfants, des papas, des jeunes et Fally Ipupa et son équipe, c'est vraiment original et c'est très beau. Ce qui est encore très beau sur ce plateau aujourd'hui, c'est la chemise de Rufus Lukanga qui m'a rejoint, à qui je vais dire bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Christopher. Tout en Tommy Rose aujourd'hui. Oui, oui. Call américain. Call américain, et puis voilà, je remercie la personne qui m'a offert cette chemise. Moi sinon. C'est une fille, bien sûr. Moi sinon. C'est une fille qui m'a offert cette chemise. Vous avez la moi cité. Bon, moi si tu sais, j'ai en fait cette difficulté en fait. Quand on dit moi si, la mécanique traduire en français, ça veut dire femme. Et puis quand je vais un peu plus loin pour voir la définition de la femme, ça me rapporte toujours à une personne qui est l'autre moitié de l'homme et ça m'amène directement au mariage. Voilà, et je me dis, ben, je suis encore célibataire. Quand on dit moi si naïo, ben, ça m'étonne un peu. Mais puis, oh, maman, sur le bar, ils ont motif de rupture. Motif de rupture. Ce moi si naïo, là, Fabo et Ara, si quoi, pour. Ils ont senti que Olingi, Olingi, Kotika, hein? Otiki brèche. Mon ok, voilà, je suis encore là. Jeune fille, tentez votre chance. Tentez votre chance. Non, il ne faut pas tenter. J'ai une amie, là, c'est sûr. J'ai une amie là, c'est sûr, qui pourra devenir moi si. Femme. Oui, qui pourra devenir moi si. Ça va, merci pour le cadeau Kitoko. Oui, un peu sûr. C'est elle qui l'a donné du coup. Oui, c'est elle qui me l'a donné et elle m'a dit que régulièrement, elle va commencer à m'offrir des chemises. Ah, pour tous les vendredis. Pas pour tous les vendredis, mais ça deviendra régulièrement. En fait. Eh bien, hein, moi aussi, j'aimerais bien avoir quelqu'un même, tous les vendredis, même offre-moi une cravate. Vous avez vu, aujourd'hui, j'ai noué la cravate On dirait, je vais commencer à faire ça comme ça, à condition que ce soit une nouvelle cravate. Il y a Kala, Flemme, hein, Yassika, tous les jours, j'ai commencé à faire cet exercice. Mais c'est la chose que vous devez m'apprendre, hein, nouer une cravate. C'est vraiment une difficulté pour moi. Non, mais c'est très bien. C'est très compliqué pour moi. J'ai étudié dans un collège, mais je n'ai jamais appris à nouer une cravate. On nouait toujours pour moi. C'était à la porte d'entrée, je donnais toujours au collègue. Quand il y a la cravate, et c'est aussi de ma faute, hein, parce que si j'avais la volonté. Et en cette période, j'allais apprendre vite et rapidement. Je vais faire un effort. Je vais faire un effort pour t'apprendre. Ça sera une bonne chose. Au foot à Minerval. Ah, la cravate. Qui possède le savoir possède le pouvoir. Non? Mikate Moko. Ah, ça va. Narose Lara, Mikate. Ok. Alors, qu'est-ce que tu nous ramènes dans Escale sur le net aujourd'hui? Voilà, dans Escale sur le net aujourd'hui, ce sont les chiffres. Cette semaine, il y a eu beaucoup des émissions de magazines qui ont été tournées et il y a eu beaucoup de chiffres. Voilà, ces invités ont beaucoup parlé de ce qui concerne le minerai de la République démocratique du Congo, toutes les richesses que possède notre pays. L'invité qu'a reçu Jean-Marie Kassamba hier a également exposé, hein, ces derniers temps les invités ne font que des exposés de leur d'une thématique, d'un sujet, et voilà. N'a écran et puis ça donne vraiment l'apparence d'un tableau. Ils ont parlé des ressources minières, à qui appartient les sous-sols congolais. Voilà, c'est directeur général d'une grande institution du pays a aussi expliqué les procédures et les ressources minières qui appartiennent à notre pays. Voilà, déjà 7759 vues en seulement une heure de direct, dont 30 j'aime et il y a eu aussi quelques commentaires en rapport avec cette émission. Voilà. Et parlant également des exposés, il y a eu aussi dernièrement l'exposé des Kokonyangi qui a également exposé sur les ressources minières de la RDC face aux enjeux stratégiques. Cette émission qui a vraiment été appréciée par les internautes avec 10 000 vues, 286 j'aime et 133 commentaires. Voilà, Kokonyangi qui a expliqué les causes également de l'insécurité de l'Est en République démocratique du Congo
Et les internautes ont vraiment apprécié la manière dont il a abordé son sujet en disant que il y a même de ceux-là qui disaient ah Nainaï Baraté que Kokonien Gazalagaboué. Grand prof. Un grand professeur, vraiment. Il y a même de ceux-là qui disaient il mérite mieux de s'éloigner de la politique et de se concentrer à cette matière parce qu'il s'y connaît très, très bien. S'y connaît très, très bien. Voilà, on va prendre quelques commentaires. Voilà, et il y a même de ceux-là qui ont félicité le professeur comme Otiniel Katembo Kainda. Beaucoup de respect à vous, cher professeur. Je suis géologue de l'université de Lubumbashi et cette émission est beaucoup éducative et cruciale pour tout Congolais. Encore une fois, bravo à vous. Là, c'est Otiniel Katembo Kainda qui a réagi. Et notre commentaire, Arnold Fataki, voilà. Christian L, je suis très motivé par le prof Kokonyangi. Je me sens interpellé à défendre notre pays contre la spoliation de nos richesses. Francis Kajila a également rejoint Christian L. Il faut réclamer nos cartes à la Belgique et à la France, qu'on nous fasse même des copies. Voilà, là c'est Francis Kajila qui a également réagi. Et pour lui, il faut réclamer nos cartes. Alain Kalongi également, excellente émission éducative pour tout Congolais qui aime son pays. Félicitations à Jean-Marie Kassamba pour avoir invité l'excellent honorable professeur Joseph Kokonyangi qui mérite les honneurs pour son exposé clair des enjeux stratégiques de la nation que je résume en une phrase, contrôler sa terre, bien la gérer et savoir ce qu'elle contient pour le bien du peuple et sa descendance. Là, c'est Alain Kalongi qui a parlé, qui a résumé cela en une phrase en disant qu'il faudra contrôler sa terre, bien la gérer et savoir ce qu'elle contient pour le bien du peuple congolais. Voilà. Il y a Carole Tamboa, c'est Dieu qui est le premier scientifique à déclarer Kokonyangi, tu m'as fort touché. Voilà, pour Kokonyangi, c'est Dieu le premier scientifique. Mmh. Voilà. Jean-Pierre Kalongi, c'est très génial ces propositions. J'y avais pensé depuis longtemps, merci à M. Kokonyangi, mais selon la lithostratigraphie, voilà, c'est ce mot qui m'a un peu tiqué, la lithostratigraphie de Kinshasa, le parc de l'Antélé n'est pas sur 2000 mètres du sable ocre, le grès est atteint au max à 200 mètres. La lithostratigraphie, ça peut être quoi? Olivier Ulumbuke, une émission pédagogique, j'ai des larmes aux yeux, scandale géologique, je viens de comprendre maintenant qu'on parle de scandale géologique, voilà. Kokonyangi a très bien expliqué les deux mots qui vont de pair, qui vont de suite. Voilà. Olivier Ulembuka qui a également commenté. On va prendre la suite, Arnaud. La suite, c'est Fauteuil Blanc. Jean-Marie Kassamba qui a reçu également Laurent Batumona. Laurent Batumona, un allié inconditionnel de l'UDPS. Mais qu'apporte-t-il à cette alliance? C'était ça la thématique. Et en face des journalistes, notamment Arlette Boutella, qui ont posé des questions à Laurent Batumona. 2800 vues, il y a de là 6 jours de mise en ligne, dont 62 j'aime et 4 commentaires. Voilà, Laurent Batumona qui est venu avec toute son équipe. Il y a également ces grands plateaux tournés à Kindu, Jean-David Kilolo, Paulette Kimuntu, en face d'autres personnalités qui étaient là-bas. 1800 vues, il y a de cela 5 jours de mise en ligne, dont 37 j'aime et 8 commentaires. Ils ont parlé du leadership et gouvernance. Matata Ponyo se confirme au Maniema. Voilà, c'était là les grands plateaux tournés dernièrement par Jean-David Kilolo. On prend la suite, Arnaud Fataki. Voilà, la suite, c'est Club 50. Club 50, samedi dernier, Jean-Marie Kassamba avec les autres professionnels de médias, incapacité de la MONUSCO en RDC et si la Russie intervenait. Voilà, 9700 vues en 5 jours de mise en ligne, dont 147 j'aime et 61 commentaires. En rapport avec cette actualité, il y a eu ces commentaires de Neval Batukwemi. Je me demande pourquoi le gouvernement congolais n'a pas sollicité une réunion d'urgence
du Conseil de sécurité des Nations Unies après les révélations des observateurs des Nations Unies comme font tous les États dans de pareils cas. Là, c'est Neval Batoukouemi qui demande pourquoi le gouvernement n'a pas sollicité une réunion d'urgence en pareille situation, comme l'ONU a reconnu la responsabilité du Rwanda au soutien au M23. Pourquoi le gouvernement ne sollicite pas une réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour tabler sur la question? C'était ça la question de Neval. Voilà. Il y a également ces grands plateaux. Lualaba, quid de l'affaire Kanyama Kasese, tournée par Christopher Ochokoum et les autres journalistes d'investigation qui étaient sur le plateau? 2200 vues, il y a de cela 4 jours de mise en ligne, dont 12 commentaires. On va prendre 2 ou 3 commentaires. Voilà. Alain Banza, une très bonne émission, digne d'être suivie avec beaucoup d'attention. Il y a également Olivier Makonga. Courage à vous vraiment, vous faites la fierté de la presse dans le journalisme. Je vous aime bien, Olivier Saint-Lois. Voilà. Il y a également un autre commentaire. Francis Kajila. Est-ce que le service national ne peut pas lancer les offres d'emploi d'une manière civilisée? Ils auront beaucoup de jeunes au lieu de procéder comme décrit sur le plateau. Là, c'est Francis Kajila qui a apporté sa contribution. Voilà. La suite, c'est Jean-Marie Kassamba rencontre Bibi Dance. Moi, je ne connaissais même pas. C'est au cours de l'émission. Moi, non, je l'ai découvert dans cette émission. Oui, je l'ai découvert dans cette émission, vraiment. Et j'ai découvert qu'il est l'auteur de plusieurs chansons. Je me souviens, téléphone. L'auteur de plusieurs chansons, c'est pourquoi on parle de l'ombre cachée. Il y a beaucoup d'artistes qui restent dans l'ombre. Or, ils sont des grands compositeurs de plusieurs chansons que nous écoutons aujourd'hui. Mais surtout, c'est focalisé à Kanabatouba Mbayango. Or, il y a des compositeurs de ceux-là qui ont pris tout leur temps pour composer, pour glisser des petites phrases, pour que la chanson soit bonne et pour choisir des bonnes personnes d'accompagnement de cette composition. Voilà, 2600 vues, voilà, en 3 jours de mise en ligne, dont 17 j'aime. Il y a John Decor qui a réagi. La première fois que j'ai écouté la chanson Golgotha, j'ai eu la chair de poule. Je comprends presque pas les Tchiluba, mais j'ai très bien compris la mélodie. La chanson sur le viol en RDC contient tout, message important sur un fond musical qui invite l'audience. Merci à ces grands messieurs de la musique africaine, digne fils de la RDC. Voilà, même la chanson Golgotha, moi je ne connais pas, je ne sais pas si je l'ai déjà entendu. Le commentaire là, c'est digne de quelqu'un qui a vraiment suivi l'émission attentivement. On sent que c'est quelqu'un qui... Voilà. Connaît aussi l'artiste, quelqu'un qui a été certainement très ravi de le voir sur le plateau de Jean-Marie Kassamba. De le revoir aussi parce qu'il y a beaucoup de ces artistes qui sont restés en Europe, disparus, on ne sait pas s'ils sont toujours en vie ou bien s'ils évoluent, comment les voir encore comme ça, revenir au pays et sur un plateau, parler de leurs œuvres, de tout ce qu'ils ont eu à composer, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il y a Jimmy Kalongi également, Waouh Bibi Dance, que j'ai découvert. Bibi Dance. Pour ceux qui nous suivent aujourd'hui. Voilà. Je crois que c'est en anglais. Oui, ça pourrait être en anglais. Mais il y a de ceux-là qui écrivent Waouh, W-O-A-U-H. Je ne sais pas. Lui, il a écrit Waouh avec W-O. J'ai tapé en tout cas sur Google, la première explication que ça m'a donnée, c'est in English. In English. In English, qui veut dire il faudra également traduire en français. J'ai tapé waouh. Les français, ça me donne. Ça donne une expression. C'est une exclamation. Voilà, d'étonnement, de joie, tout ça. Voilà. Waouh, Bibi Dance, que j'ai découvert à Abidjan dans les années 81. Des bons souvenirs. 81, voilà. Michel Kilo, Dio, Papa Wemba et Tchala Moana Kouaya. Voilà, il a parlé même de la chanson, malgré que je ne connais pas la chanson. Mais ça valait la peine. Je me suis dit que je dois au moins chercher cette chanson. Dio, Papa Wemba et Tchala Moana, je n'ai jamais écouté. Voilà, là, c'était Michel Kilo
qui a également commenté les dessous des cartes dernièrement, le mardi dernier. Hier. C'était pas hier, ça? Non, non, ça c'est pour le mardi. Ah oui, ça c'est... Okay. Voilà. Cette veste, j'ai cru voir le chef en rouge aussi. Hein. Je vois pas bien. Oui, ça c'est en rouge. Hier c'était aussi, encore une autre veste. En rouge. Okay, voilà, okay. Une autre veste en rouge. Voilà. Les dessous des cartes, comment va le monde? 3900 vues. Il y a c'est là, des jours de mise en ligne, dont 96 j'aime et 19 commentaires. On va prendre... la suite Arnaud, voilà, les journaux télévisés des 13h du mercredi 10 août, 1100 vues, dont 16 j'aime et un commentaire présenté par Arlette Boutella. Voilà, les journaux de 13h, les dessous des cartes maintenant d'hier, vous voyez maintenant la différence. J'ai vu encore la voilà. Veste, ouais. Oui, là c'était rouge un peu sang, voilà. Ça, c'est un rouge un peu... rouge un peu léger, voilà. Voilà. Ah, voilà. 1400, voilà, Arnaud qui nous montre la différence. Arnaud Fataki, merci. Voilà, 1400 vues, y a-t-il là 4 heures de mise en ligne, dont 36 j'aime et 5 commentaires, les dessous des cartes où l'on a parlé des enjeux géostratégiques qui retenir de la visite d'Anthony Blinken en RDC. Voilà. Hier, j'ai eu un petit débat sur le nom Blinken. Moi, je disais Blinken. On me disait c'est Blinken. Blinken. Imaginez si vous voyez Néni Aolobaloukang. C'est terrible. Mbouya Sambi Sambi qui a réagi. Jean-Marie Kassamba, félicitations. Pas seulement pour la profondeur de tes arguments, mais la jovialité avec laquelle tu abordes le sujet. Je prends la liberté de te tutoyer car je te sens proche, un jeune frère, bravo. Voilà, là c'est Mouya Sambi Sambi qui a réagi. Voilà, on va terminer avec ça fait débat. 3000 vues en 6 jours de mise en ligne, dont 37 j'aime ainsi que 8 commentaires. On a également parlé de l'insécurité à l'Est et de cette actualité du moment concernant la MONUSCO. Voilà, Christopher Ochoco. C'est très bien. On voit que les téléspectateurs sont là. L'émission la plus vue, je crois que c'est avec Kokonyangi. Kokonyangi, 10 000 vues. Pour cette émission qui a été didactique. Ouais. Très suivie, très appréciée. Il y a des extraits même que les gens ont coupé. Coupé, oui, je viens plus partout. Ils ont partagé voilà. Sur les réseaux sociaux et tout. Donc, J'ai vraiment apprécié les explications. Il a vraiment détaillé sur l'actualité des ressources minières. On a vraiment appris de ces géologues. C'est vraiment un grand professeur. Babia Tik a politique à concentrer na e. Bisou Babia a concentré na e. Tik te mais a concentré moi à Poro hein. À Poro a porté une émission qui pourra aussi parce que en fait les gens quand ils ont entendu et Kokonyangi émission reçue par Jean-Marie Kassamba, ils se sont dit il va venir attaquer Kabunda c'est là. Avec un Okara. Kara a qui na science. Pema. Et si on a, tu sais qu'à un moment, si on a mené les débats à ce genre, à ce genre de niveau, voilà. Il y a des gens qui manqueraient d'arguments. Oui. Parce que si tu regardes bien les débats, surtout sur la télé congolaise, c'est souvent orienté sur des personnes. Mm-hmm. Dans les thématiques, il y a des noms. Il y a des noms, voilà. Kabound, Bahati, Tshisekedi, Kabila. Si on prenait vraiment le temps d'avoir des thématiques sur des sujets comme ça, scientifiques... Il y a même dit, beaucoup ne passeront plus à la télé. Oui, beaucoup. Il va dire quoi? Il viendra dire quoi? Manganèse. Parce que ça devient récurrent. Au moins, vraiment, Moutalomwenda, Raebig, Lilo, Naké, Platon, Kakomba, Moutouana. Donc, il fait vraiment des recherches. C'est qu'il a fait de mal. Hein. Il voit juste les défauts. Toute personne a ses défauts. Mais yo, Kainka, bah, des fois, tu te dis, bon, sur ces plateaux, aujourd'hui, je ne parlerai que de lui. Mais si on amènerait le débat à ce genre de niveau, c'est-à-dire, aujourd'hui, on ne parlerait que ressources minières de la République démocratique du Congo. Yo, ce qu'on verra la science, sur connaissance, na yo, yebi. Les grandes personnes parlent des idées, voilà. Les petites personnes parlent des personnes. Donc, c'est un peu la leçon, en tout cas. Pour moi, de cette émission-là, avec Jean-Marie Kassamba et Joseph Kokonyang. Et à travers cette émission, j'ai personnellement été aussi éclairé d'une manière ou d'une autre concernant les orientations hein, pour nos petits frères, nos enfants. Parce que j'ai un neveu qui voulait faire l'environnement. C'est comme si on a dit géographie, géologie, environnement, tu as un Or que ça apporte de la connaissance et tu peux aussi t'orienter différemment. Tu peux aussi t'orienter différemment. Et si surtout il y a des gens qui sont de plus en plus nombreux en train de faire ça, on va trouver la solution, À beaucoup de problèmes pour le Congo.
Parce que moi, quand mon neveu m'a parlé de l'environnement, j'étais le premier à dire non. Toi, tu feras jamais ça. Voilà. Or, il se sent capable à faire cela parce que vu ses capacités, vu ses aptitudes, il s'est dit, dans ça, je veux me retrouver. Justement, c'est l'anniversaire de Madame le vice-premier ministre de l'Environnement. J'ai vu ça dans la statue à Batelelo. Eve Bazaïba. Okay. Donc, heureux anniversaire à elle. Heureux anniversaire à elle. Voilà. C'est tout, Rufus ? Oui, c'est tout. J'ai vu Gaëtan Koumabourandji de l'autre côté, donc tu ne feras pas la deuxième partie. Mm-hmm. Il sera là pour nous raconter déjà son anniversaire de samedi passé. Voilà. Ça s'est passé comment ? Il n'était même pas venu ici. Moi, je suis arrivé ici parce que je savais qu'il devait présenter les journaux le soir. On m'a dit qu'il ne présentera pas les journaux. Je me suis dit, il est allé fêter où ? Il m'avait prévenu qu'il ne serait pas là. J'ai mis un petit tweet. J'avais écrit deux ou trois petites phrases sur mon statut WhatsApp en disant que je cherche une belle dame pour le monsieur. S'il y a des ceux-là qui peuvent m'envoyer les noms. Tu avais vu quelle photo? C'était waouh. C'était une photo où il était assis sur cette chaise avec Mouira Kotoano, Tozoarana, Lingisoute, Karawana. La façon dont il était assis, vous voyez vraiment un grand monsieur. À la base des données, à ma photo. J'ai eu des réactions, je vous dis, pas possible. Quelle tranche d'âge? Toutes les tranches d'âge, et voire même celle que j'appelle mon ami me demande. C'est qui? La façon dont elle a posé la question, je me suis dit, bon, on s'arrête là. Kouba. On s'arrête là. Photo d'Aligambo, Pembeni vraiment. Pembeni. Pembeni. Mettez-moi quand même une liste. On va faire liste détaillée, CV photo. On va glisser ça dans son tiroir. Voilà, comme ça, dans son bureau, il y a écrit Jésus-Christ est Seigneur. Voilà, on va continuer le Nyabasi. Yonde Pona. Merci beaucoup Rufus, recevoir Gaëtan Koumabourandji pour la deuxième version d'Escale sur le net, mesdames et messieurs. Quand je veux l'argent, je fais ce que je veux. Je prends l'avion pour l'État.